toutes et seules à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série sur Hearts of Iron 4. La dernière fois, nous nous étions quittés sur une grandiose invasion de l'Italie et une avancée majeure au niveau de l'Allemagne. Étant donné que depuis le début de l'épisode précédent, on était au niveau du Rhin, maintenant, on est au milieu de l'Allemagne. En tout cas, les troupes allemandes sont encore fort nombreuses, mais ici, au niveau du sud, il n'y a plus personne. Par contre, là... C'est plus possible quoi, messieurs, c'est plus possible. On va prendre cela, vous vous arrêtez d'attaquer. Mais... C'est... Allez, nous citons moins d'une journée peut-être. Vont-ils y arriver? Vont-ils arriver à passer? Je l'espère. Bon, résistance à l'occupation, oui, tu m'étonnes qu'il y ait de la résistance à l'occupation. D'ailleurs, ça me fait penser. On va agrandir la zone de garnison à toute l'Italie. Ça sera à mon avis assez utile. Parfait. Toi, tu vas sur le front, s'il te plaît. Bon, ici, on y est presque. Munich va bientôt être ravitaillé. Parce que pour l'instant, Munich n'est plus ravitaillé. Et sinon, là, 2 jours, super. Putain, ça me saoule cette histoire. On va prendre ça. On va arrêter le plan. Tu attends. Ah bah ok, super, faut que je leur dise. Ouais, on arrête le plan. Pour dire, ok, on y va. Ok. L'Italie a capitulé. Eh ben dis donc. Ça a été coton cette histoire. Bon. En tout cas, Végan, tu vas pouvoir aller au nord. Je vais avoir besoin de toi à ce niveau-là. Je voudrais que tu ailles ici et que tu fasses une offensive pour aller jusqu'à la Baltique. S'il te plaît. Bien. Allez, grande remontée. Là, il y a la bataille navale. On a perdu 4 DD, ils en ont perdu 7, 6, 12, 13, 6, 14. Attention, 7, 1, croiseur léger, 15 DD. Le but du jeu là, c'est pas d'avoir le plus de points, c'est d'en avoir le moins. Et de détruire toute la force adverse. Et ben, on a perdu 8 DD, ils en ont perdu 15 et perdu 2 croiseurs légers. Il ne reste plus que 3 navires. Ils sont partis se réfugier, je ne sais où. Peut-être en Albanie. Ici, on a presque fini, d'ailleurs. Waouh, on a des Russes qui sont partis rusher un peu la zone. Bon, bah, on avance un peu. Hein. On va pas se gêner. Hein. Toi, tu vas passer par ici, s'il te plaît. Si on peut encercler cette brigade, cette division d'infanterie motorisée, bah, je vais pas me plaindre. Putain, l'Allemagne, c'est plus vraiment ça, j'ai envie de dire. Et pourquoi j'attaque pas? Bah parce qu'ils sont nombreux et je préfère attaquer un endroit où il n'y a plus personne. Tout simple. Écrasez-moi ça. Toi tu vas ici. C'est bien. Végan, il arrive. Et on va tout de suite lancer l'assaut. Il n'y a personne. T'en profiter. En mode agressif. Très agressif. S'il te plaît. Bien. Allons-y, Prague va bientôt être libérée par les forces soviétiques. Mais bon, ce sera pour le compte de l'armée française. Ici, cette infanterie motorisée, elle est encerclée, sans ravitaillement, elle va se faire défoncer. Désolé, Willem. Ici, cette division blindée, elle va devoir reculer. Désolé, von Klug. Ici, il y a du mouvement. Hein. Sauf que ce n'est pas par là que l'offensive vers Berlin va arriver. C'est par le nord. Toi, tu vas aller par là, s'il te plaît. Si possible. Bon, ici, on a réussi à libérer Munich. Toi, tu vas peut-être aller ici, s'il te plaît. Priorité à la marine. Parfait. On va améliorer nos navires d'escorte. Et rotation forcée. C'est bien. On va faire efficacité de mission d'interception. Augmentez-moi ça, s'il vous plaît.
Parfait. Et là, ça marche. Nous arrivons à fond sur Berlin. Regardez-moi tous ces BF-109 là, dans les airs. Ils sont à combien? Presque 1,7 million de morts. Les Russes, 1,3 million. Nous sommes à moins de 400 000 morts. Assaut et infiltration. Parfait. J'aimerais avoir attaque au sol nocturne, s'il vous plaît. Bien, regardez-moi ça. C'est violent. On va continuer d'avancer, hein. S'il vous plaît. Regardez-moi toutes ces troupes. Il n'y a plus rien quasiment. Quasiment plus rien. Passe par ici, s'il te plaît. Si je me trompe de bouton, ça va pas le faire. Non, toi tu restes ici. Nous, on va passer avec là et puis aller passer par là. Bon, en tout cas ici, là, quand est-ce que ça se finit? J'aimerais que ça se finisse au plus vite. Eh ben, ça y est, nous sommes à Berlin. L'infanterie de montagne. Ah, wir sind in Berlin. La chute de Berlin. Les forces françaises sont entrées dans la capitale allemande et celle-ci est tombée au terme de batailles rangées, livrées à sa périphérie. De nombreux soldats de la Waffen-SS se sont retranchés dans l'Olympiastadion, l'Olympiastadion, avant l'intervention de la Légion étrangère appuyée par l'artillerie. Le drapeau français flotte désormais au-dessus de la chancellerie du Reich, et malgré des combats sporadiques en périphérie de la ville, toute résistance semble avoir été neutralisée. Vive la France! Si ça, c'est-il pas magique? Bon, ici, ils sont réussis à reprendre, mais ce n'est que partie remise pour que l'Allemagne ne se rende. Hop, on avance. N'y a plus personne pour nous retenir. Plus personne. Ici, elle va bientôt s'effondrer. Ils sont bien, les Allemands, hein. Ils restent sur la frontière. Logiquement, il y a le patch 1.2 que j'ai. Logiquement, je crois. Il est censé rendre l'IA un peu plus intelligente. Non. Elle ne rend pas l'IA plus intelligente. Sinon, la capitale est à Königsberg, ok. Je crois que les Russes, ils avancent un peu, il n'y a personne en face de chez vous. Je dis ça, je dis rien. Enfin, du moins, moi, je vois personne. Hein. Triste, triste vie. Bon. Ah bah là, c'est fermé. Ah bah c'est nickel. Bah ça je m'y attendais pas. Et bon, on va faire une petite attaque généralisée sur la zone. Il va être temps de massacrer cette poche où il y a pas mal de divisions. Alors 12, 15, 15, 20. 20, 21, 21, ça fait 25, 25, 29, 29, 31, 35, 39, il y a 39 divisions là-dedans si j'ai bien compté. Et j'espère avoir bien compté. Et hop, s'il vous plaît. Massacrez-moi ça. Non, non, vous attaquez vraiment ce coin-là. Ici, on y est presque. Von Rundstedt, on le croise à toutes les grandes défaites de l'Allemagne, celui-là. C'est plutôt cocasse. Punaise, toutes les divisions que j'ai capturées à l'ennemi. Ça fait beaucoup. Hein. Touk, 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 je voudrais avoir les bombardiers, mais on les a pas encore. Je vais peut-être avoir besoin de nouveaux chasseurs. On va en prendre pour faire des nouveaux chasseurs et avec le reste, on va faire des armes, on a toujours besoin de plus d'armes. Prenons plus d'armes. Bien. Ici, ils sont passés. Désolé, vous ne passerez plus.
On va attaquer ça, s'il vous plaît. On va y arriver. On va y arriver. Berlin, la poche est toujours présente. Allez, attaquez-moi ça, là. Il faut aller soutenir l'armée à Berlin. Ah bah là, il n'y a plus personne. Ça veut dire que mes armées ici, on peut lancer les offensives. Eh bah parfait. Avancer. Attaque généralisée. Ils veulent défendre Berlin. Bon, on va perdre cette troupe, j'ai l'impression. Quoique, on est dans une ville, ils nous attaquent pas. On peut la garder. Je pense que on va pouvoir aller aider notre armée là-bas. Ici, c'est bon. Allez, me massacrez-moi ça, s'il vous plaît. Défoncez-moi toutes ces unités. Là, ici, on a bientôt massacré ça. Là, c'est bon. Bah, parfait. Cette armée dans le sud, c'est fini, quasiment. Nous allons supprimer l'armée, enfin le front ici, ça sert à rien de l'avoir. Du coup, vous allez tous sur vous là. La Reich allemand a capitulé. Ok. Maurice Thorez a annoncé que la lâche nation allemande ne pouvait plus résister à la pression des puissantes fortes françaises omniprésentes dans le pays. Le gouvernement du Reich allemand a choisi de fuir le pays, de s'exiler. Leurs forces principales ont capitulé et la France rouge contrôle désormais leur territoire. Même si la guerre contre ce qui reste de l'Axe se poursuit ailleurs, oui, cela représente une grande victoire pour le Comintern. Bon ben, ça c'est fait. Voilà, voilà, voilà. Du coup, la plupart de nos armées sont au chômage. Bon, en tout cas, moi j'en suis fier. L'Allemagne, c'est fini. Ils ont eu combien de pertes? Presque 2 millions, hein. Ils se sont rendus un peu tôt, je trouve. Par contre, 18%, nous on a 55% du score de guerre, les Russes 41%. On a perdu que 441 000 hommes. On les a bien défoncés, les Rouges. On est Rouges. Les fascistes. Notre armée ici a réussi à tenir à Berlin. Et ça, c'est cool. Bien. Maintenant que ça c'est fait, qu'on a plus de 36 000 unités en train de faire la guerre. En Afrique, nos troupes ici, ça avance. Du coup, toi tu vas aller attaquer par là-bas, s'il te plaît. Toi tu vas prendre ça, et toi tu vas prendre ça. Bien. Toi, il s'agirait d'attaquer ce machin-là. Et toi, tu vas rester ici. Ouais. Bon, et encore quelques petits troubles en Afrique. Du coup, il va falloir que j'aille peut-être prendre une armée. Ouais, je vais prendre celui-là. Et tu vas te mettre... Tu vas arrêter ton plan, déjà. Et tu vas te mettre ici. S'il te plaît. On va vous envoyer 32 divisions en renfort. Je pense que les Italiens, là, en Afrique, ils vont morfler. Hein. Bien. Ensuite, pour ce qui est du reste... Il faudrait envoyer des troupes à la frontière au niveau du Japon. Eh ben, on va y aller. On va se mettre ici. Toi, t'arrêtes ton plan, s'il te plaît. Tu supprimes tous tes plans. Bien. Toi, on va aller au niveau... non, c'est pas là que je veux. C'est pas cette frontière que je veux avoir, moi. Non, moi, c'est celle-là. Voilà. Toi. On va se mettre ici. S'il te plaît. On va se mettre là. Et le général de Gaulle, quant à lui, on va l'envoyer... L'envoyer. Ici. S'il te plaît. Bien. Maintenant, déplacez-vous. Parfait. Sinon, dans ma production d'unités, on en est où, là?
Produit plus assez d'unités, c'est ça. Bien, ce n'est pas grave. Décryptage. C'est bien, on arrive à tout décrypter juste après avoir réussi à défaire l'Allemagne. C'est pas grave. Souhaite nous envoyer 21 divisions de corps expéditionnaires. Non, désolé, non. Ça sert à rien. Ressources infinies, il nous manque beaucoup de pétrole. Le pétrole, c'est ce qui nous manque le plus, ainsi que du tungstène. Carte des ressources. Tungstène. Pas beaucoup de pétrole, les Allemands. Ils n'ont pas construit beaucoup de raffineries. Je suis un peu déçu à ce niveau-là. Ah ouais, les Russes, ils ont réussi à avoir puits de pétrole de la Roumanie légionnaire. Qui existe encore malgré la défaite. Sérieux. Ça va falloir s'occuper de ça. Ouais, pétrole, il me faut du pétrole. Beaucoup de pétrole. Bon, on va partir au Japon. Bien, allez-y messieurs. En tout cas, maintenant qu'on se bat plus, nos troupes pourront se refaire une santé. Voilà, dans un mois, on aura assez de canons. Dans 116 jours, assez d'armes. Nous souhaite France Rouge, machin, ennemi, Japon, Reich, oui, oui. Mais nous acceptons ta guerre, nous l'acceptons, nous y sommes déjà, j'ai envie de dire. On va les dégommer, hein, c'est tout. Le Japon, ils ont entre 117 et 138, 138 divisions. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Toi, ça va, la santé, ça va. Ça va, la santé de la flotte, elle va bien. Par contre, au niveau des sous-marins, je pense qu'il n'y en a plus vraiment besoin. Je pense que c'est plus la peine. Du coup, vous retournez à la maison, s'il vous plaît. On va rassembler la flotte. Enfin, on va la rappeler. Ça sert plus à rien de la voir à ce niveau-là. Si on les a bien défoncés. Non, la flotte, on va la bouger. Ah tiens, ils ont perdu un cuirassé et deux destroyers. C'était ce qui restait de la flotte italienne. Ils ont plus rien. S'ils ont encore quelques petits trucs quand même en Albanie. Plus grand chose. Bon. Très bien, en Afrique, par contre, ça bouge encore. Bon, ici, notre armée, là, elle va arriver. Nickel. Bien. On va peut-être arrêter l'offensive, quand même. Là, vous finissez vos petits mouvements, et il va s'agir d'arrêter l'offensive. En tout cas, c'est parfait. Mes 24 divisions de coloniales se sont très très bien débrouillés en Afrique. Je n'attendais que ça d'eux, et ils ont réussi. En tout cas, on a pris la Libye, une partie de l'Égypte. Ah, c'est presque si on avait pu aller jusqu'à Suez. Ça aurait été sympa. Très très drôle. Fort marrant. Ok. Bien. Alors, toi, cette armée-là, tu vas en Afrique. Bien. Et nos troupes, là, sinon, elles sont où? Elles sont au Kazakhstan. Elles sont allées voir Borat. En tout cas, nous avons toujours les deux Gugus qui se bastonnent chez moi. Merci, ça fait plaisir. Vous, va s'agir de vous refaire. Plus beaucoup. Ouais, bon, je pense qu'on va pouvoir accélérer un peu la cadence à ce niveau-là. Plus la peine d'être niveau 4, hein, y a plus personne. Nous, on n'a plus de combat. La France domine l'Allemagne. Enfin, domine l'Europe centrale. Mais ça a tellement explosé, cela. Bon, ce qu'il va s'agir de faire, peut-être... Tiens, là j'ai des points, qu'est-ce que je vais en faire? La marine. Conseiller politique. Capitaine d'industrie, ce serait pas mal. Ouais, capitaine d'industrie. Réformateur démocratique, non. Traiteur collégien, non. Non.
Déjà en économie de guerre, ça sert à rien d'améliorer ça. Architecte naval, bof. Chef de la marine, ouais. Mesure de l'armée. Ça faisait longtemps que j'avais dit que je le prenais. Faut que je le prenne. Trop longtemps. Ok, ici, ils se bastonnent encore entre eux. C'est pas grave. Sinon, les Russes, bah maintenant qu'on les a soulagés sur le front. Sur le front. J'allais dire sur le front est. Pour eux, c'est le front ouest. C'est. Si on y va logiquement. Bah, c'est pas grave. Nos troupes sont en déplacement, mais devraient arriver sous peu. Ah, parfait. Mes nouveaux bombardiers. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Ah bah, je vais améliorer l'artillerie. Ou faire des nouveaux chars. Des nouveaux chars, oui, des nouveaux chars. Des AMX 12 tonnes pour remplacer mes vieux FCM 36. On va faire ça. En tout cas, on va demander la production de bombardiers tactiques pour la prochaine fois. Hop, voilà. Parfait. Produisez-moi des bombardiers tactiques. Surplus de pétrole. Comment ça, j'ai un surplus de pétrole? Pourquoi soudainement j'ai un surplus de pétrole? D'où il me vient ce pétrole? De mon commerce finalement, j'ai plus de problème à ce niveau-là? Parce que je fais que importer. Ouais, bizarrement. Je suis étonné. S'ils ont pas réussi à tout me prendre. Sérieux. Ah pas chasseur, bien. Et eh ben on va continuer, soutien au sol. Toi, ben finalement, je vais demander l'accès militaire au Raj. Voilà. Et De Gaulle, j'aimerais que tu n'ailles plus là-bas, mais que tu ailles à ce niveau-là. Va, s'il te plaît, en Indochine. Non, 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 c'est... Je... Non plus. Non plus. Si tu pouvais prendre des moyens plus conventionnels, ça m'arrangerait. Voilà. J'aimerais pas trop que tu te fasses défoncer en passant la Chine. C'est... Non, je serais très très bête de ta part. Bon, maintenant, les seuls malus que j'ai, c'est en tungstène. Parfait. C'est que pour la production de canons. J'ai pas besoin de tungstène pour les chars? Sérieux. Bon. Navire d'escorte amélioré, parfait. Et ben on va faire quoi? Doctrine navale, s'il te plaît. Bien. Et nos premières troupes ici arrivent. Alors vous, j'aimerais que vous alliez jusqu'à là. Ce serait plutôt sympathique. C'est le plan. Parfait. Vous, par contre, j'aimerais que vous alliez jusqu'à là. S'il vous plaît, ce serait à mon avis fort sympathique. Quasiment rien aux frontières d'ailleurs. Déplacez-vous, déplacez-vous. Parfait. Bien entraîné, hein. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser en parlant d'entraînement, je peux modifier mes unités, moi. Compagnie de reconnaissance. Et ce sera tout pour eux. J'ai pas assez d'artillerie pour changer, vraiment changer. Toc, 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 ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Le génie, ce serait pas mal. Hôpital de campagne aussi. Et du génie. Voilà. Mes infanteries mécaniques, touc touc touc, non ça va aller pour le reste. Et ici, infanterie coloniale, je vais mettre du génie, de la roco, déjà? Sérieux? Putain, le temps passe vite, on va faire des hôpitaux. Voilà.
Vous me changez tout ça. Allons-y. À ce niveau-là, du coup, il manque encore l'artillerie. Matériel de besoin, c'est bon. J'ai encore pas mal de camions. C'est bon. Parfait. Bah, c'est parfait tout ça. Ici, il reste encore quelques unités qui sont en mouvement et on pourra lancer l'offensive générale. Ce qui sera parfait. Bien. Bah, on va s'arrêter là pour cet épisode. L'Allemagne aura été vaincue. Et maintenant, nous allons commencer à partir détruire les Italiens, enfin ce qu'il en reste en Afrique, et les Japonais. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à plus les gens.